Bonsoir à tous. D'abord, cette parution de Jeune Afrique, l'hebdomadaire africain, salue donc les efforts du chef de l'État en matière de politique économique et sociale. Les précisions dans ce reportage, dans ce commentaire de Joseph Amégan. Dans un article rendu public ce jour, l'hebdomadaire Jeune Afrique fait ressortir que la situation politique et économique au Togo a changé. Le pays a beaucoup changé. On y fait moins la politique et les priorités sont davantage économiques et sociales. Jeune Afrique note que si le Togo n'est pas encore Singapour, les choses s'améliorent. Les nouvelles sont encourageantes. L'augmentation du volume d'activité du port autonome de Lomé est un signe de la reprise et le contexte général semble pour l'hebdomadaire Jeune Afrique plus favorable à la création d'emplois, notamment pour les jeunes. Jeune Afrique mentionne également que le boom de la microfinance dénote un esprit d'entreprendre inconnu jusqu'ici. Pour Jeune Afrique, le président Faure Gnassingbé a gagné en popularité. L'hebdomadaire panafricain salue le contexte économique et social du Togo, marqué surtout par une détermination et un engagement sans précédent du président de la République Faure Gnassingbé à hisser le Togo sur la voie de l'émergence. On en vient maintenant au premier titre de l'actualité. Ce lundi, les journées portes ouvertes du ministère de la Planification, au-delà de la conception de la politique, c'est un appel de pied aux partenaires en développement. Le public est aussi convié. Adolphe Paca. Deux jours d'information à l'intention du public togolais pour visiter le vaste chantier de la planification au Togo, les réalisations et les perspectives du gouvernement à moyen et long terme. C'est ce que recherche le ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire en initiant ces journées portes ouvertes. Tous les acteurs doivent être associés à la conception, à la mise en œuvre et au suivi et évaluation des politiques de développement. Alors, mais le public ou les acteurs ne maîtrisent pas le rôle de l'administration qui est chargé d'animer tout ce processus-là. Donc, nous avons besoin d'ouvrir nos portes pour que les gens puissent venir prendre connaissance. Le ministère se rapproche donc des citoyens, institutions étatiques et partenaires en développement en vue de favoriser une participation collective au développement du pays. Au menu de ces journées portes ouvertes, d'abord des communications et exposés. Ensuite, des séances d'explication dressées au profit du public et enfin le grand forum d'échange pour ensemble rebâtir le système national de planification. Planification, justement, cette sorte de laboratoire des grandes politiques de développement, c'est elle qui conçoit, qui définit la vision. Quel est donc aujourd'hui son apport dans le processus de développement au Togo? Quelle est son importance? Nous posons donc la question, les éclairages, Medina Bacha Salami. Chantier qui couvre entre autres les infrastructures, la santé, l'éducation, avec des ressources limitées et des besoins sans cesse croissants, d'où la nécessité de la planification. Le Togo c'est un tout, vous avez vu même les infrastructures, l'eau, l'assainissement, et par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, ça veut dire qu'on ne peut pas faire tout à la fois, il faut faire une programmation et puis sans occulter un secteur. Le peu de ressources qu'on a, on doit quand même les injecter de façon rationnelle dans chacun des secteurs parce que tout est important. Et quand c'est programmé, on les suit au fur et à mesure. Après les indépendances, le Togo s'est lancé dans un processus de planification pour mieux conduire son développement socio-économique, d'où la mise en œuvre des quatre plans quinquennaux de 1966 à 1985. S'en est suivie la période des programmes d'ajustement structurel. À partir de 2005, face aux urgences des réformes pour s'adapter aux exigences économiques, d'autres plans ont vu le jour. Les documents de stratégie de réduction de la pauvreté, les SRP, qui a permis au Togo d'accéder au point d'achèvement de l'initiative des pays pauvres très endettés, PPTE. Puis, en 2013, la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP. Mais cela ne peut se faire sans les statistiques. Ce sont ces données statistiques qui permettent de connaître la situation de référence et de concevoir ces programmes politiques et projets de développement. Les statistiques sont en amont
et qu'on appelle en aval d'un processus de développement. Elles sont tellement importantes si on veut réussir toutes les politiques et toutes les stratégies de développement de notre pays. Dans sa vision Togo 2030, un vaste programme d'élaboration des politiques publiques de l'État a été réalisé dans tous les ministères. Autre titre de l'actualité ce soir, la prochaine campagne de vaccination contre la polio, elle démarre dans 4 jours, vendredi plus précisément, une 13e campagne nationale annoncée ce matin par le ministère de la Santé. Les précisions sont Sonia Menipo, Clarisse Atiklet. C'est encore reparti pour la grande campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite, maladie invalidante ou mortelle. Cette 13e opération du genre se déroulera du 31 octobre au 2 novembre prochain sur l'ensemble du territoire. Plus de 1 million d'enfants seront pris en compte et pour la région Lomé commune, 242 000 enfants sont ciblés. Les chefs traditionnels, les leaders communautaires et les chefs religieux sont ici mis à contribution pour la mobilisation de la population. Les vaccinateurs vont passer dans toutes les maisons de la commune de Lomé et vacciner les enfants de 0 à 59 mois. Quand bien même seront les enfants protégés selon les règles, il faut qu'ils leur expliquent que le supplément de vaccination n'est pas inutile. Outre le vaccin contre la poliomyélite, les enfants recevront également une supplémentation en vitamine A nécessaire à la lutte contre la cécité et pour un développement harmonieux et de l'albendazole pour le déparasitage. La particularité de cette campagne sera la recherche d'éventuels cas de paralysie flasque aiguë, de drac-onculose ou ver de Guinée chez les enfants de moins de 15 ans. Servant pour les enfants pour lutter contre la polio, de l'affection, d'un peu plus d'attention pour nos personnes âgées. Elles viennent de célébrer, vous le savez, leur journée internationale. C'était le 1er octobre dernier. Le message, protéger et valoriser davantage le troisième âge. Les manifestations à ce côté, le récit, la marque Beaujournal. Cette journée est une occasion pour le gouvernement et ses partenaires de sensibiliser la population sur les thèmes de la protection et de la valorisation des personnes âgées, d'amener le public à découvrir et à prendre conscience des potentialités des personnes âgées. Pour cette année 2014, le thème international est « N'oublions personne, promouvons une société pour tous, réalisons les droits humains et le bien-être des personnes âgées » et sur le plan national est « Protection et valorisation des personnes âgées ». En ligne avec ces thèmes, le gouvernement et ses partenaires s'engagent dans des initiatives visant à améliorer les conditions de vie des personnes de troisième âge. C'est important pour nous de protéger les personnes âgées parce que nous avons choisi d'être un état de droit et dans un état de droit, les droits humains de chaque couche sociale doivent être protégés. Nous avons aujourd'hui dans certaines communautés, dans certaines familles, des abus à l'égard des personnes âgées et nous voulons nous assurer que ces abus cessent. Et donc nous voulons qu'il y ait une mobilisation pour empêcher ces violences aux personnes âgées. Deuxième élément fondamental, les personnes âgées ont contribué à notre pays. Et c'est pas parce qu'elles sont vieilles, elles sont dans la troisième phase de leur vie, qu'elles ne peuvent plus contribuer. Elles ont un savoir, des compétences, des expériences, des atouts qu'elles peuvent encore contribuer. Au cours de cette célébration, des gestes de solidarité ont été posés en faveur des personnes âgées démunies. De la journée internationale des personnes âgées à ce qu'on est raconté par la marque Beaujolin. La suite est cette visite de terrain de John Aglo, nous l'annoncions aussi en titre. Le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Sécurité sociale était ce matin sur le site de Lomé Container Terminal, toujours en chantier. La société est déjà, vous le savez, liée à l'ANPE qui relève justement de ce ministère. La visite, les précisions de Apollinaire Katanga. Pour faire le point du partenariat signé depuis février dernier entre l'Agence nationale pour l'emploi et la société portière Lomé Container Terminal, le ministre John Aglo a effectué une visite de terrain sur le site pour constater l'état d'avancement des travaux de construction du terminal qui va créer des milliers d'emplois pour la jeunesse togolaise. Depuis le début de ce projet, notre département est impliqué. Notre département est impliqué en termes de, par rapport à l'emploi. Eux, ils vont recruter à terme 700 emplois. Et ils ont des sous-traitants. Et ils ont aussi des transbordements
À terme, c'est des milliers d'emplois que cette structure génère. Et par rapport à tout ça, nous devons montrer notre satisfaction. Bénéficiant de cet atout naturel qu'est la mer, le Togo, grâce à Lomé Container Terminal, va très prochainement accueillir des navires de grande portée. Selon le directeur général de Lomé Container Terminal, le chantier a suffisamment avancé et le site pourra être opérationnel d'ici fin janvier 2015.